Eh bien, salut tout le monde, c'est Mister B-Boy 45. Comment allez-vous les amis? Moi, ça va très très bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour la suite de Star Wars Jedi Fallen Order et je devais trouver un moyen de monter immédiatement le plus haut possible parce qu'on avait une porte incroyable, mais assez difficile d'accès. Évidemment, n'oubliez pas de j'aimer le commentaire pour cette aventure qui s'annonce totalement folle. Et on est parti, évidemment. Ok, je me suis enflammé, je sais pas ce qui m'a pris, excusez-moi. Yo les gars, ça va ou quoi? Hop, mort. Ok. Qu'est-ce que c'est que ça? Ok. Ah, il faut que j'aille là-haut. Hein. Je tire. J'ai fini. Non, mais ils sont trop, trop forts. Je kiffe les droïdes B1. Ok. Ok. Il est plus chaud que les autres. Il est mort. On continue de monter. Oh non, on peut pas monter là. Putain de merde. Allez. Je veux monter. Et là? Est encore à proximité. Oh non. Suivez-le. Quels sont les moyens de monter? C'est terrible. Bon, il n'y a plus rien ici. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Ah, vas-y, on va essayer de rentrer par là. Hein. C'est pas grave. Il hein. Oh, y a un raccourci à se faire ici. Ok. Dans la zone d'opération. Dégâts subis. La cible est mise. Ok. Voilà. Allez, go. Ah, vache. Ok. C'est très très chaud là ce qui se passe un peu partout. On a perdu un des nôtres. Très très chaud ce qui se passe par ici. Force explosive déployée. Raccourci débloqué. Yo les gars, ça y est, c'était là? Oh, c'était là, putain. Ok. Oh. Ok, non! Oh les bâtards! Encore un. Ok, le rejeton d'Octo. Ah. Ah. Non. Non. Rassurez-moi, je popou. Oh la vache, il est balèze. Ok, c'était par ici. Terrible. Il va falloir vraiment penser à se soigner. Ok. Oh les salauds. Ok. J'avoue, j'étais pas prêt à ce piège. Que dis-je, ce trap? Ça va, Sophie? J'enregistre. Encore de la pluie. Oh, je l'ai. Hein. Ah.
On va y arriver. Merde! Il m'a enchaîné trois coups rouges. Terrible. Terrible, terrible. Allez, go. On va y arriver, on va y arriver, j'y crois. Putain, attends, il a l'air... Dégage, 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 yo les gars. C'est lui, lui il est fort. Arrête, c'est trop. Non, c'est trop. Ça c'est très grave ça. Waouh, à peine il touche, terrible. Ça c'est très grave ça. Ça m'a saoulé, lui on attendra de revenir un peu plus chaud. Ça n'a aucun sens. Surveille la zone à la recherche de... Je vais me replier. Ok. C'est bon? Mais tu vois, mais c'est pas possible en fait. Il te met le premier coup, il enchaîne sur les deux autres. Ça n'a aucun sens, c'est débile. Bon, je vais au moins niquer la moitié de sa vie qu'il aille se faire enculer. Allez, c'est bon les gars, on se casse. Là, c'est beaucoup trop, frère. Je suis pas venu ici pour faire ça, moi, d'accord. Allez, direction objectif principal, on reviendra quand on sera plus chaud. Oh non, les gars. Vous allez mourir. Accablez la cible. Ok. Allez, on se casse. On se casse, c'est trop, frère. Viens par ici, toi. Allez. C'est bon, on se barre à l'objectif principal. On a perdu assez de temps comme ça. Je suis extrêmement frustré. Et sachez que je suis totalement... Ouais, non, ça aurait été chaud. Tu peux ouais, le faire. Non, ça aurait été trop chaud. Sachez que j'aurais été extrêmement frustré tant qu'on ne l'aura pas fait. Néanmoins, c'est pas grave, on fera ça la prochaine fois. C'est bon, ça m'a saoulé, frère. Ça fait un épisode et demi pour un boss qui m'a cassé le cul pendant 14 minutes d'affilée. C'est bon, je suis pas venu ici pour souffrir, ok. Ouais. Attends. D'accord. Le raccourci. Très très bien. Allez, on se casse au vaisseau. Tout le monde m'a saoulé, les potes. Allez. Oh, c'est bon, hein. Attends, c'est où l'entrée, putain de merde. Zed. T'as l'air comme neuf. En effet, ce mixologue mécanique fait de vrais miracles. Je dois savoir, as-tu trouvé où était la clé de Tanalore? C'est un peu compliqué. Mais on trouvera.
Monk m'a raconté ce qui s'était passé pendant mon sommeil. Dire que l'ordre Jedi n'est plus, cela a dû être atroce pour toi. Nous avons tous deux traversé tant de choses, mais nous devons persévérer, Cal. Après tout, que pouvons-nous faire d'autre? C'est vrai. On a de la place pour toi. Je vais rester ici, mais si tu as besoin de mes conseils, tu me trouveras au saloon. J'ai de la chance de t'avoir rencontré, Cal Kestis. J'ai trouvé quelque chose. Et quoi donc? Un autre Holocron? Un Jedi. De l'époque de la Haute République dans une cuve à Bacta. Dagan Gera. Je l'ai libéré. Qu'est-ce qui s'est passé? Il m'a attaqué et s'est enfui avec les pierres du chaos. C'est lui qu'il recherchait. Il dit que les Jedi l'ont trahi et qu'il est passé du côté obscur. Ah, ça va, petit gars? Tanalor. C'est pas une légende. C'est quelque part dans l'abysse. Oh non, c'est impossible! L'abysse engloutit tous les vaisseaux qui s'en approchent! La République a trouvé un moyen de passer il y a plusieurs siècles. Ça explique leur complexe dans la forêt. Un havre caché que personne n'a réussi à atteindre pendant des siècles. Si tu découvrais comment franchir l'abysse, tu pourrais... disparaître. Complètement. Plus de pillards du chaos. Plus de chasseurs de primes. Plus d'empires galactiques. Ah, c'est que des spéculations, mais j'avoue que ça ressemble à un endroit qui pourrait devenir un foyer. Oui. Ça se pourrait, oui. Enlève tes pieds de là. Bon, moi, je retourne à la cantina. Tu sais, Grise, on aurait besoin d'un vrai pilote. Non, je sais pas, je veux dire, tu t'en sors très bien tout seul. Enfin, tu pourrais nettoyer la fourrure de Potoli de temps en temps. Tu connais mieux le Mantis que nous. Mieux que personne. Oh, Cal. Non, je regrette. Je suis trop vieux, c'est du passé maintenant. J'arrive à peine à tenir mes cartes. Je sais que les choses sont différentes aujourd'hui. Mais sans toi, je sais pas si j'y arriverai. C'est vraiment ce que tu penses? Oui. Bon, je peux éventuellement demander... à Monk de garder un œil sur le saloon. Les doigts dans le nez. Ouais. T'es avec nous? Mais il n'y aura pas beaucoup de crédit à la clé. Cal, une aubaine pareille, ça se représentera pas. Imagine, plus besoin de vivre dans la méfiance. Un lieu sûr pour nous, et pour les êtres qui nous sont chers. Si quelqu'un connaît un monde Jedi perdu, c'est serré. Jedi! Ah, c'est pas trop tôt. Il était grand temps que tu lui rendes visite. Bon, très bien. Je vais nous faire des casse-croûtes avant de partir. Ok, on est reparti à l'aventure. Bon retour à l'avant-poste. N'oubliez pas de montrer à Doma les minerais rares que vous avez trouvés et de planter des graines dans le jardin sur le toit. Cal peut rencontrer d'autres résidents qui l'aideront à améliorer l'avant-poste. Boutique de Z débloquée. La boutique de Z est au premier étage du saloon. Vous pouvez dépenser des disques de données de la Haute République. Trouvés dans la galaxie et le jardin sur le toit, vous pourrez y planter les graines récupérées sur Kobe. Ok, mais ça nous dit pas à quoi ça sert. Direction Jedha. Avant de parler à Grise, je veux m'équiper de mon sabre laser. Blanc qui a l'air juste exceptionnel. Tiens, on va save. Allez, c'est pas... je viens de voir quoi, là? Je viens de voir deux robots, là. On est d'accord, là, je suis pas fou. Allez! C'est l'heure de vérifier l'équipement. Sabre laser. Ok. Attendez. Le sabre de Santarikri est exceptionnel. Ah ouais, le sabre de Santarikri est exceptionnel. Ouais, mais par contre, je préfère ça pour le coup. Ok.
Ça va être fou. Ah ouais, on peut vraiment tout modif, putain. Ah ouais, on peut vraiment tout modif. Ok. Et état impeccable. Oh. Plus facile que la première fois. Oh. Ok, on va le mettre tout en blanc pour l'instant. On verra par la suite, on va parler à Grease. Ça te fait quoi d'être de retour sur le Mantis ? Ça fait plaisir. J'ai envie de faire un curry de poisson bourrin. La cuisine a l'air en meilleur état que le reste du vaisseau, petit gars. Oui, depuis que t'es parti, je l'ai pas beaucoup utilisé. Ah bah... Excuse-moi. Ok... Alors, c'est qui cette série qu'on va aller voir ? Ma mentor. Elle m'a sauvé de l'Empire sur Braca et elle m'a fait traverser la moitié de la galaxie. On dirait que vous avez vécu pas mal de choses ensemble ? C'est le cas. Ça fait un moment que je l'ai pas vue. Allez, direction Bod, les amis. Let's fucking go, on pourra revenir ici à l'avenir, évidemment. Non, direction Jedha, direction Bod, je suis fou. Allez, c'est parti. Plein gaz sur Jedha. Let's go. Ça doit être agréable de remonter dans le cockpit après si longtemps. Ça va, ouais. C'est le temps de me réhabituer. Je suis jamais allé sur Jedha. On va dans la ville ? Non. Aux dernières nouvelles, Cérès planque dans le désert avec des ermites bizarres. Les Anachorètes. Hein ? J'aurais préféré qu'elle choisisse un culte plus vivant. On capte un signal de Jedha. C'est serré. Je l'ai prévenu en avance de notre arrivée. Je la mets sur l'holo projecteur. Ah. Oh non, ça freeze. Les gars. Le jeu a freeze. Ah, ok, on est déjà en voyage. Oh, j'espère que ça m'a pas pourri la save. Ok. On y est déjà, on est d'accord, hein. Jedha, vraiment ? Les latéraux supportent mal le froid, tu sais. Ça doit être agréable de remonter dans le cockpit après si longtemps. Ok. Ça va, ouais. C'est le temps de me réhabituer. Je suis jamais allé sur Jedha. On va dans la ville ? Non. Aux dernières nouvelles, Cérès planque dans le désert avec des ermites bizarres, les Anachorètes. Hein ? J'aurais préféré qu'elle choisisse un culte plus vivant. On capte un signal de Jedha. C'est serré. Je l'ai prévenu en avance de notre arrivée. Je la mets sur l'holo projecteur. Hé hey, Cal, regarde l'holo projecteur. On a un appel de Jedha. Let's go. C'est ça, non ? Cal Kestis, c'est un honneur. Oui, salut. Cérès est là. Il nous tarde que vous arriviez. Toutefois, une tempête de sable fait rage actuellement. Il serait trop dangereux pour vous de vous poser ici. Comment je vous rejoins alors ? Maître Junda a envoyé une escorte qui vous guidera jusqu'à nous. Quoi ? Elle envoie quelqu'un d'autre ? Je transmets les coordonnées du point de rendez-vous à votre pilote. C'est bon, je les ai. Débarquez avec précaution. Des patrouilles impériales ont été aperçues dans le désert. Merci pour l'info. C'est bizarre. Bon. Ils me font froid dans le dos. Je me demande quel genre de dégénéré elle va t'envoyer. Et l'Empire est là aussi. Je m'attendais pas à ce genre d'accueil. Ok, retrouvez le contact de Cérès, ça sent pas bon un petit peu ce qui se passe, hein. Je vais être totalement transparent avec vous. Très bizarre. Fais attention là-bas, essaie pas de jouer au héros, d'accord ? Grease,
Est-ce que tu racontes des histoires sur moi? J'ai d'autres sujets de conversation que toi, petit. Ok. Ok, ok, ok. À droite, il y a des petits bails. À gauche, on a quoi? On a rien à part une belle vue. Ça, c'est cool. Ça, c'est cool pour les miniatures. Incroyable. C'est des décors d'Instagram, je reconnais. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Bah écoutez, on va passer par là. On n'a pas trop le choix, hein, je pense. Hein. Ok. Allons retrouver l'escorte de Serré. Le point de rendez-vous est droit devant. Oh waouh. D'accord. Très bien. Ok. C'est une sorte de crabe. Vas-y, scanne-moi ça. Ça donne quoi, BD? Il va falloir grimper. Accroche-toi, BD. Ok. Ensuite, on va sur le côté. Très bien, très bien. Ça continue encore et encore. Ce n'est que le début, d'accord, d'accord. On va passer là-haut. Ah, c'est rien. Je dois faire attention. On va faire le ninja. Superbe ça! Et c'est un raccourci débloqué! Qui plus est! Ça va l'envoyer où? Direct au bateau, non? Direct au vaisseau? Ah, quasi, hein. Trop bien! Ok! Allez, on continue! On continue, on continue! Oh, waouh! Jedha! Pas mal! Allons voir! Allez, on va save par la même occasion! Très très bien! Écoutez, on va continuer un peu! Je me suis tellement fait casser la gueule! En début d'épisode. Ah, je l'ai encore un petit peu en travers de la gorge, je vais pas vous mentir. Ok, ok. N'approchons pas du sable, BD. Je veux pas finir en casse-croûte. D'accord, donc si on s'approche du sable, on est mort, c'est ça? Je sais pas où je vais, hein, écoutez. Ok, ok, ok. C'est chronométré. Oh, salut. Arrête-les. Très très strong. Wow. Bon. Scanne-moi cette merde là. Il y a un nombre d'attaques secondes qui était quand même assez hallucinant. C'est la merde. Comment je vais faire moi? Comment je vais faire vos conneries là? Attends, je suis venu là pour me faire tabasser la gueule? Je suis venu là pour me faire tabasse? Non, quand même pas. Oh les gars. Putain, je me suis fait explose. Ok. Voilà, qu'est-ce que tu veux que je fasse, frère? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Quel merdier c'est! Ok, j'ai l'impression qu'à droite, il n'y a plus grand chose à faire pour l'instant. Qu'est-ce que c'est? C'est quoi ce merdier, bordel? Ouais, non, je suis cuit, hein. Content que ça te plaise. Je suis cuit, les gars. On dirait un moulin à prière. Hein.
Il vient de très très près en plus. Ah ouais, non, mais les gars. C'est un merdier de fou. C'est un merdier de fou. Ok. Il n'y a que ça en solution. Putain, je vois pas, hein. Je vois pas, hein. Et là? Ah, ah, oh. Oh, je sais pas si c'était prévu. Mais écoutez, c'est fait. Aucun regret. Ok. Oh putain, non, c'était juste pour ça. Oh, je croyais que c'était la suite de notre aventure. J'allais dire, c'est assez fou ce qu'on vit là. Ok, bon, écoutez, on n'a plus de raison de revenir ici, je pense. Bon, c'est mieux que rien. Alors là, les gars, comment? Alors, bougez pas. On va faire les choses proprement. Il y a un rail. Ah non, c'est le chemin que j'avais fait. Faut que j'aille à cette porte. Et je peux aller à droite. Ok. Bon, bah écoutez, on y va. On va resave. Je vais y aller à cette porte, hein, je vous le garantis. Hein. Je vous le garantis. Hein. Ok. Il faut que je me concentre. Ouais, ouais, on va se concentrer fort même. Hein. On va se concentrer fort, hein, parce que là, putain... La porte, ok, putain, faut que j'aille par là. Faut que j'aille à droite. Ok. Yo les gars. J'aurais peut-être pas dû le toucher. En avant. C'est trop rapide. Ok. Très bien. On ouvre. Ok, du oculaire encore une fois. Waouh. Y'a rien à lire là? Non? Ouais, bah oui. Non, mais ça marche pas comme ça en fait. Oh putain. What the fuck? Je comprends pas. What the fuck? C'est trop. Allez. Non. Trop difficile. Attends, je vais lui éclater la gueule. Battons ensemble. Ok, excuse-moi. C'est trop. Un skin speed. C'est trop. Aide-moi, BD. Compris en fait leur truc, ils attaquent très vite, très longtemps, mais une fois leur combo terminé, ils tombent un peu dans les pommes. Mais je me fais quand même bien casser la gueule.
C'est un sabre laser que tient ce Nautolien. Il me rappelle Maître Fisto. Maître Fisto, dites-moi plus. Cette canonnière se dirige vers le point de rendez-vous. Ils vont atteindre l'escorte de Serré avant nous. Attendez, attendez. Je suis persuadé que j'avais vu un truc là. Je suis pas fou, si? J'ai vu un truc qui brillait, merde. C'était une fausse alerte. Tant pis. Allez, on continue. On continue, on continue. J'ai quand même bien pris ma part et ça fait plaisir. Ok. Quel enfer! Je suis dans une sorte de main. Oh waouh! Là, je vois pas. Hein. Non. Waouh! Pas. C'est respectable. Oh là là. Bébé, y a pas un moment où on peut souffler là, genre au calme. Non? Ce serait pas mal, hein. Ok, je vais voir ça. J'ai compris, BD. Fais-moi voir. Et vas-y les gars, moi je veux juste save là, hein. C'est chaud. Alors là, ok, j'ai. Tu crois que ce Jedi a combattu dans la guerre des clones? J'espère pas, sinon ça arrive. On dirait un parchemin. Je sais pas depuis combien de temps il est là. Ok, ça c'est pas mal. Ça, c'est un beau raccourci, ça. Des impériaux. Aucun signe du pilote. On doit le signaler. Reste en alerte. Il va revenir chercher son speeder tôt ou tard. Et arrête tout le monde dans la zone. Bien reçu. On doit retrouver l'escorte avant l'Empire. Bon. Eh ben écoutez, on va s'arrêter là les amis, n'oubliez pas le j'aime et le commentaire, je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine, portez-vous bien. Bye bye tout le monde. Waouh, c'était chaud hein, c'était très très chaud hein.